صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، محمود الأحمد، أبي القاسم ومولانا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين المقربين، أعلام الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى. لا سيما مولانا وامام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنتقني بالهدى وألهمني التقوى أمدي رمضان سلم سبيسيال بور قرآن مجيد الله تبارك وتعالى إلى أنفوية نتخسين قرآن مجيد في سي موالا لبخيف سي كوا لبخيف سي قول دو دي دان نتخسين قرآن مم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أبقوا بود الشاب قادر لا نويد قادر إن شاء الله لأبقوا شنفوا On va rentrer sur ça. Mais le très important pour aujourd'hui, c'est que mois des Ramadan, Allah, tabarak wa ta'ala, il a envoyé le Qur'an le Majid et le, tout le Qur'an le Majid dans ces mois-là. انا انزلناه في ليلة القدر باسكو ليلة القدر لا نوي د القدر سا ساتومب دان لو مواد رمضان سي بور سيلا الله تبارك وتعالى اديه انا انزلناه في ليلة القدر سيلا فادير انا انفويي لقران ماجد دان لو شاب قادر تو لقران قران مجيد سلك لكلام خدا C'est la parole de notre bon Dieu. Quand le mois de Ramadan qui vient, ça tourne dans nos têtes, dans notre conscience, qu il faut rester avec le Coran et Majid. Il faut réciter le Coran et Majid. surtout, surtout dans ces mois-là. Avant, je vous le disais que dans ces mois-là, Inch'Allah, on va rentrer petit à petit. On parlera ensemble à propos des de choses qui détruisent notre Ramadan, notre Rosa, notre Jeûne. Ça, dans notre masail, les Ulamas, notre marajé, et ils parlent beaucoup de ça. Mais on rentre, Inch'Allah, tout ce qui est très important. On va donner l'explication, le petite explication, à propos des les choses qui détruisent le ramadan. Mais avant tout, quand on parle, les choses très importantes pour nous, c'est les niyats. On parle à propos de niyats avant. Après ça, Inch'Allah, petit à petit, on rentre sur le mobtelate ramadan. Cela veut dire les choses qui détruisent notre jeûne. Niyat ou le terme arabiques, ils disent à Niyat. Niyat, cela veut dire vouloir. Niyat dans notre cœur. Quand on fait niyat, c'est pas besoin de parler. Alors, il y a des gens, peut-être, quand ils font niyat, ils parlent avec haute voix. C'est pas ça les Niyat. Objectif des Niyat, c'est que. On fait niyat ici dans notre cœur même. Exemple, Ya Allah je fais niyat inshallah à partir de demain je fais le jeûne. Je jeûne par exemple je fais mois de ramadan tout. Et les niyat aussi pour le mois de ramadan c'est pas obligé qu'on fait niyat par jour. La niyat on peut faire par jour mais aussi, début du ramadan, on fait niyat pour 30 jours ou pour 29 jours. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est les niyat. Je répète, les niyat, quelque chose qui reste dans le cœur. c'est pas obligé de prononcer, de parler. Parce que les mots niyat même, les mots niyat, cela veut dire ça reste ici. Alors, peut-être quand je fais niyat, il y a des gens qui connaît que je fais niyat, mais peut-être aussi je fais niyat. Les gens, ils ne connaissent pas que je fais niyat, parce que les niyats, ça reste dans notre cœur. Ça, c'est niyat. Niyat pour le mois de Ramadan, on peut faire niyat tous les jours, après iftar, par exemple, je fais niyat pour demain. C'est fini aujourd'hui, je fais niyat aussi pour le suivant ça c'est pas grave, tous les jours on fait niyat, bon, ça c'est mieux aussi. Mais objectif de niyat, c'est au début du mois de Ramadan, on fait niyat pour 30 jours ou pour 29 jours, ça c'est pas grave, parce que les mois en arabe, soit 29 jours, soit 30 jours. ça juste pour savoir, le Ramadan, quand on fait un mois, 30 jours, notre Ramadan, c'est bon, c'est vrai. Quand on fait 29 jours aussi notre Ramadan, c'est vrai. Ça, c'est pour niyat. Comme notre ami le sunnite là, quand il font niyat, ils font leur namaz, namaz et taravi, par exemple. Après la et taravi, tout le temps, ils font niyat pour lendemain. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est pas grave. C'est Kaboul aussi. Mais le niyat que on fait, nous toujours, nous sommes chiites. Nous sommes toujours avec Ahl al-Bayt, on peut faire comme ça aussi. Mais aussi, on peut faire le niyat pour 30 jours ou 29 jours, ça c'est pas grave. Ça c'est la première chose qui est très importante pour le mois de Ramadan. Il faut faire le niyat. Niyat aussi, c'est pas obligé dans votre langue. Niyat, on peut faire n'importe quelle langue. Que on connaît parce que allah tabarak wa ta'ala il parle toute langue allah subhanahu wa ta'ala il connaît toute langue allah tabarak wa ta'ala aussi ya alam u mafis sudur... ya alam u mafis sudur... quand on parle on récite allah tabarak wa ta'ala ya il connaît il sait quand le niyat... ça reste dans notre cœur aussi allah tabarak wa ta'ala il connaît pas besoin de parler le niyat... niyat... Ici même, dans notre cœur, Alhamdulillah c'est fini. Ça, c'est la première chose. On va rentrer, inshallah, sur les choses qui détruisent le ramadan Mubarak. Si vous regardez votre masaïl, par exemple, Ayatullah Aliyil Hussein Assistani, al Dama -Ali, Ayatollah al Ali, Ayatullah Assistani, dans le Masa'il de Ayat, Ayatollah Sistani, quand vous regardez, la première chose, c'est Niyat. Après ça, les choses qui détruisent le ramadan, détruisent le jeûne, c'est quoi La première chose, Al-Aql ou le Ils disent ça presque les ulama, notre maraje et Ils parlent à propos de manger et de boire. Ça, c'est première chose. Mais nous, on commence pas sur le manger et le boire. Nous, on commence sur le mensonge. Mensonge, ça c'est très très important pour nous. Et le mensonge aussi, euh, dans l'islam, ça c'est quelque chose que c'est haram, c'est interdit pour un musulman qui fait le mensonge, même pour plaisanter. Coran Bismillahirrahmanirrahim je vous le disais, cette surat-là, sur yi Mursalat, dans notre saint le majid cette surat-là, c'est les surat avant de commencer le 30e séparo Il y a des surat qui s'appellent surat al-Mursalat. Cette surat-là, Allah te il parle beaucoup de choses, mais le ayat qui répète là-bas, c'est le Wailun l'ilmukadhibin. Cela veut dire malheur pour quelqu'un qui ment tout le temps. Cela veut dire son travail, son acte toujours. Il ment tout le temps et tous les jours. Mensonge. Dans notre religion, c'est interdit. Et toutes les mazahib. Quand vous voyez, vous regardez les mazahib islamiques, n'importe quel mazhab. Soit notre mazhab Ahl-Bayt, soit. Dans le mazhab de notre ami, nos amis sunnites, le 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali aussi, ils disent que mensonge, c'est haram, c'est interdit pour tout le musulman de faire mensonge tous les jours, mais tout le temps aussi, c'est interdit. Il y a deux hadiths de la part de Rasul Khuda, Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Ça c'est hadith, mais quand on parle tout le temps, on amène cet hadith-là, qui est hadith qui dit Al-Kidbu Haramun, le mensonge, ça c'est haram, c'est interdit pour les musulmans, ou alors C'est ça la le, le tradition que même on plaisante. C'est kibbe, c'est les mensonges, c'est haram. Ça c'est autre jour pour autre jour. Et mois de ramadan, surtout, surtout, plus de ça. Cela veut dire deux fois gona, quand vous faites cette mensonge-là, autre jour. Bon, ça c'est gona, ça c'est péché. Dans le mois de ramadan, plus que ça. Allah, il accepte pas. Le jeûne et le rosa, le ramadan pour quelqu'un qui ment dans son rosa, ça c'est interdit pour nous. Et le rosa, c'est obligatoire pour nous. Et les mensonges, c'est interdit pour nous dans le mois de ramadan. C'est quoi les mensonges Et les objectifs des mensonges ici, cela veut dire on ment. À propos de Allah Ta'ala, à propos de notre bon Dieu. Par exemple, on parle du Coran Majid, On amène le ayat, mais le ayat que on amène, la traduction c'est faux. C'est pas vrai les traductions. C'est pas seulement les traductions, mais le ayat que on amène aussi, même les récitations des ayats c'est faux. Tout ça c'est mensonge. Quand on ne connaît pas le « ayat », le « ayat », c'est pas clair pour nous. On peut dire « mazmounul ayat », ce terme-là. Mais à peu près le « ayat », c'est comme ça. C'est pas le vrai de « ayat », c'est ça. On peut dire à peu près le « ayat », à peu près de ayat ». Quand on parle ça, quand on récite du « ayat », Allah, il sait, il connaît que ces gens-là, il a récité le ayat mais il a dit avant à peu près de ayat. Cela veut dire c'est pas comme ça le vérité de ayat. Mais si par exemple le ayat n'est pas clair pour nous mais on récite comme ça même, on lit comme ça même, ça c'est mensonge, ça c'est interdit surtout surtout dans les mois de Ramadan. À propos de Allah wa Ce qui m'a, À propos des paroles de Dieu. Parole de Dieu, Kalam à propos du Coran et son rosa son Jeûne, cela veut dire son Ramadan, c'est Bâtil, c'est pas accepté. Allah, il accepte pas ça. Coran et quand on récite Coran et c'est pour cela On prend ici dans notre radio Kodja et TV Kodja tout le temps le marrage, les prononciations pourquoi parce que c'est très important pour nous parce que kalam et Khoda, le parole de dieu il faut réciter bien il faut lire bien le parole de dieu avec prononciation bien aussi c'est pour cela on prend ça tout le temps ici parce que c'est très important le qiraat au Coran Majid le récitation du Coran Majid on ne peut pas mentir c'est interdit pour nous, surtout surtout dans les mois de Ramadan, et c'est détruit ça de le notre rosa quand on ma de la part de Dieu ou auprès de Allah. Tabarakaou Ta'ala. Surtout surtout on récite les ayats, mais le ayat c'est pas vrai. C'est pas la récitation seulement, je vous le disais, mais même les traductions ou les tafsirs. On fait tafsir, mais autre traduction, autre tafsir. Ça c'est pas c'est pas possible ça. Parce qu'on m'a à propos de paroles de Dieu. Ça, c'est le premier message dans le mois de Ramadan. C'est détruit de Ramadan quand on m'a auprès de Dieu, auprès de paroles de Allah. Et la deuxième chose aussi, c'est les mensonge. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Rasool Allah, c'est le messager de Dieu. Ça aussi, on peut dire c'est la parole de Dieu parce que c'est le kalam et c'est la parole de Rasullah, c'est la parole du messager de Dieu. C'est deux paroles de Dieu aussi. la' cette ayat-là, c'est clair pour tous les musulmans. Que le Rasoul il parle pas n'importe quoi. Là, Tout ce qu'il parle, Rasoul c'est le Wahy Ilahi, c'est la Parole de Dieu. Cela veut dire, Kalam la nabi c'est la Parole, le message de Dieu aussi. On ne peut pas mentir sur cette Parole-là. C'est interdit dans le mois de Ramadan et c'est ça aussi, c'est détruit de notre Ramadan mensonges auprès de paroles de Dieu ça c'est un et les mensonges c'est auprès de paroles de Rasoul Rasoul Khuda, c'est les messagers de Dieu ça c'est interdit dans le mois de Ramadan autre Ramadan aussi c'est interdit mais quand on fait ça dans le mois de Ramadan c'est le double péché Allah ou ne il va pas accepter notre jeûne notre Ramadan c'est détruit le Ramadan سي بور سيلا يا دي حديث كي رسول خدا محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم ادي كم من صائمين بوكو جا يل فون لي رمضان يل فون لي روزا يل جن كم من صائمين بوكو جا يل فون لي رمضان مي لو رمضان كي في يا با دو اوبجيكتيف يا با دو فائده Il le ou le ratoche c'est ça le terme des hadiths. Oui, il a faim, il a soif dans le mois de Ramadan, commencement, le matin jusqu'à soir. Mais le savab, c'est rien. Pourquoi? Parce que il ment dans le mois de Ramadan. Parce que le mensonge, ça c'est interdit pour l'islam. Quand on ment dans le mois de Ramadan. C'est le Ramadan qui ont fait, ça c'est pas Ramadan. Allah ta ne il va pas accepter ça. Première chose, c'est le mensonge auprès de Dieu, et le deuxième, c'est le mensonge auprès de Rasoul -e khoda aussi, C'est les paroles de Rasoul -e khoda le messager de Dieu, parce que c'est les paroles de messager de Dieu, c'est les paroles de Dieu aussi. Et le troisième mensonge, c'est quoi? C'est le parole de notre maasoumine aleyhim afwalo salatu wa salam ajib. ça c'est bizarre hein? ça c'est pour notre madhab, c'est ça. mais les sunnites là, peut-être ils disent que bon le mensonge auprès de paroles de Dieu, oui ça c'est vrai. ou hadith de la c'est vrai. mais le aima aleyhim afwalo salatu salam parce que leur iman de notre aima c'était pas comme nous. Peut-être, peut-être, il y a de mashab qui compte. Ils disent que oui, après Rasoul khoda peut-être Amirul Mu'minin Hazrat Ali al mais auprès de paroles de Amirul Mu'minin, ils connaissent pas beaucoup. Mais nous, nous derrière de mashab al Bayt, on dit quand on m'a auprès de paroles de Amirul Mu'minin. Parole de Hazrat Fatima Zahra, Hazrat Imam Hassan Moustaba, Hazrat Imam Hussein, tous les Aïmans, quand on ment, surtout, surtout dans le mois de Ramadan, le mois de Ramadan se bat c'est se détruit le Ramadan. Il détruit le Ramadan quand on ment dans ces mois-là. Mensonge, ça c'est la première chose qui est interdite dans le mois de Ramadan. On ne peut pas mentir. Ayat, du Coran et le quand on récite le Ayat, il faut réciter bien le Ayat. Il faut entraîner dans le mois de Ramadan. Regardez bien le lettre et le phrase du Coran et le Parce que le mot arabe et la langue arabe, quand on fait un moindre geste comme ça, c'est... Le Ayat s'est détruit. Et ça change beaucoup de choses. Attention. Et nous, on a l'habitude de faire quoi De faire le, le al-Qur'an et Majid et récitation du Qur'an et Majid à cause de ça. Inch'Allah, attention, le mensonge, c'est interdit dans le mois de Ramadan. Même blague, même pour présenter, ça, c'est rien, c'est pas possible. Autre jour aussi c'est interdit. et quand on vient dans le mois de ramadan, attention, il faut garder bien la langue, la bouche. et ce n'est pas la bouche et la langue seulement, mais tous les corps qui font le ramadan, tous les corps qui font le ramadan, beaucoup de hadiths qui disent ça, que le ramadan n'est pas pour la langue seulement, c'est pas pour la bouche seulement, mais pour tout le corps. Des de humains, ils font le Ramadan. Ça, c'est première chose. On peut pas mentir avec parole de Dieu, avec parole de Rasoul de Dieu, Rasoul de Roda aussi, Rasoul Allah, le Messager de Dieu. On peut pas mentir aussi avec le parole de notre Emma C'est interdit pour le mois de Ramadan. Ça, c'est première masaïl que on prend aujourd'hui, c'est les mensonges. Pourquoi on prend ça Parce que nous sommes insanes humain tout le temps, quelquefois on parle. Mais le parole c'est pas vrai. Mais le parole c'est pas vrai. On amène le ayat, le hadith mais mal compris le hadith qui dit autre chose, on fait le tafsir et traduction autre chose. Attention, on peut pas faire ça surtout surtout dans les mois de Ramadan. Il faut faire attention de ça. Le parole de Dieu, on ne peut pas blaguer, on ne peut pas plaisanter. Et le parole de Rasool Allah aussi, le message de Dieu. Et le parole de notre imam, Aïma salatu wassalam, et les maasoumines, 14 maasoumines. on ne peut pas mentir sur le, leur parole. Parce que le mois de Ramadan qui détruit, c'est ça. Tout ça. C'est interdit dans le mois de Ramadan. Ça, c'est le premier Inch'Allah, pour aujourd'hui. Autre masael pour la prochaine Dars. Bismillahirrahmanirrahim.